Bah, j'ai passé une nuit là-dedans. J'entends déjà désinfecter. Bon. Ah, punaise, mais j'ai... Bon, attendez. Oula. Moi, je me disais, je les entends, mais je les vois pas. Et ben voilà un. Oh là là. Bon, ça va, il est tombé dans l'eau. On peut l'achever facilement. Bon, je vais prendre ça avec moi. Ça. D'ailleurs, moi. Vert. Je vais prendre ça. Allez, je cours. Oh putain de... Oh merde. Putain, mais y en a pas mal là. Voilà, c'est bon, j'ai tout déglingué. C'est quoi ça? Une souris. Et un dernier, je me fous là. Je prends peut-être des risques en attaquant, mais... J'ai pas envie qu'ils se regroupent parce qu'après ça devient vraiment la galère. Bon, et moi j'avais envie de voir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté du... de ce pont là qui, à vue d'œil, a été pété. Voilà, je me souviens, punaise, il y avait des... On a le reste de ce pont là, ok. J'espère juste... Ah putain, je mange la charcuterie, je t'aurais dû à ça. J'espère juste ne pas me faire un plat, parce que là, ça va vraiment être dangereux. Je charge mon arme au cas où. Ah putain, quel imbécile! Bon, allez, go! Ah. J'espère qu'il y a quelque chose d'autre là-bas. Moi, j'ai pris ce pont-là, moi, pour rejoindre cette ville. Après, je sais pas, je me suis évanoui, quelqu'un m'a assommé, m'a laissé là-dedans, mais... Déjà là, on voit. On voit un bout de la fin du pont. Ah, le bleu foncé de la mer, ça fait flipper ce genre de truc, moi. J'y suis presque, j'ai l'impression que c'est qu'un bout complètement isolé en fait. Bon, allez. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? C'est quoi ça? C'est moi ou j'ai une visibilité C'est moi qui deviens parano là. Je crois que je deviens parano, ouais. Je
crois que dans mon esprit, je me suis fixé une limite là. Ah, et comment je fais maintenant pour revenir? Aïe! Ah putain! Ah, je me suis fait bien mal à la jambe là. Elle est pas cassée, mais. Faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Bon, allez, on est reparti dans le sens inverse. Y'a rien là! C'est midi. On met du temps à aller là-bas, ça me fatigue. Je vois vraiment pas quel genre de bâtiment j'ai fréquenté là. Je suis allé dans l'hôpital. Je suis allé dans cette entreprise là, enfin ce bâtiment fait pour une entreprise. Après je vois pas ce que j'ai fait. Ça m'a bien rafraîchi là. Allez, je suis au taquet en espérant qu'il n'y ait pas d'autres infectés là, punaise. Voilà. Ok, il y en a un là. Je me le fais à la machette. Ah, j'avais fait gaffe. Aïe. Quoi? C'est quoi ça? Ça a été creusé à la main, ça. C'était pas là avant. C'est un bâtiment de survivants. Il y a dû avoir des survivants ici, c'est quasiment sûr et certain. Après, est-ce qu'ils ont laissé des trucs? Des livres de travail, ça, je m'en fous complètement. Il y a quoi là? Il y a la fin du métro. Je crois que j'ai enfin trouvé un moyen de quitter cette île. Le métro, ça conduit toujours quelque part. Alors je vais me créer un petit stuff de base. Pour ça, j'ai besoin de tuer vous. Tant pis s'il y a des survivants, je pense pas. Mais... ils avaient comme but de quitter cette île aussi, donc. Des trous, il y a un tunnel pour le métro. Ils ont aménagé cette partie là du métro et enfin ils avaient tout planifié sur moi. Alors une table de travail,
crois qu'il me faut créer du bâton. Enfin, faire un bâton. Quelque chose dans ce style-là, ouais, voilà. Bon, je quitte cet endroit. Je me casse tout de suite. Voilà, je déplace les rails. Là, il y a encore des rails. Ça y est, je crois que le chemin, il est plus ou moins bien fait. Est-ce qu'on peut prendre le fer? Moi, je m'en fous du fer. Si je retrouve une vraie civilisation qui est plus ou moins encore bien proche de du continent, je devrais trouver du matos facilement. Bon alors, je place ce chariot. Et on se casse de là, putain.